compte rendu de la 129e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo, a présidé ce vendredi 15 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 129e réunion du Conseil des ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. La communication du président de la République a porté essentiellement sur trois points, à savoir 1. De sa participation au 24e sommet ordinaire de la CEAC. Le président de la République a fait la restitution au Conseil de sa participation le 9 mars 2024 à Sipopo, en République de Guinée équatoriale, à la 24e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui avait pour thème cette année la CEAC à la croisée des chemins vers la consolidation de la réforme pour relever les défis de l'intégration régionale en Afrique centrale. La conférence s'est félicitée de la mise en œuvre de réformes décidées lors des précédents sommets, ceci en vue d'aboutir à une plus grande intégration et interconnexion des États de la région de l'Afrique centrale. Elle a également loué les dynamismes retrouvés de cette communauté régionale à travers la participation des États membres, particulièrement ceux faisant l'objet des situations politiques et sécuritaires qui nécessitent une attention particulière de la dite communauté. À ces propos, la conférence n'a pas manqué de saluer notre pays pour son engagement et surtout pour la réussite des élections générales de décembre 2023 qui ont pris cours dans un contexte dominé par la crise sécuritaire et humanitaire prévalant dans la partie est de notre territoire national. Condamnant l'activisme de groupes armés y sévissant, les chefs d'État et de gouvernement de la société témoignent de solidarité au peuple congolais et ont appelé pour ce qui concerne l'agression rwandaise au strict respect des engagements pris dans le cadre de la feuille de route de Luanda. Vu l'importance que revêt cette communauté dans nos rapports au monde extérieur, particulièrement sur le plan continental et international, le président de la République a exhorté les gouvernements à renforcer leur synergie en vue de préserver la place de choix que nous occupons au sein de cette organisation. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la restitution de barrages hydroélectriques à la Gécamines. Le président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la Société nationale d'électricité dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui confié par le gouvernement et qui compte parmi les actifs de la Gécamines. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Enzilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. Il a chargé le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre du portefeuille et les ministres des ressources hydrauliques et électricité, chacun dans la limite de ses attributions, d'examiner les voies et moyens pour résoudre ces problèmes et de lui faire apport dans les meilleurs délais. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de créer des droits miniers et des carrières pour tous les régés des mines des sociétés minières du portefeuille. Des sociétés minières du portefeuille semblent être encouragées à poursuivre la pratique qui consiste à geler les substances minérales issues de rejets, autrement appelées remblais, situées dans les périmètres couverts par des permis d'exploitation ou des autorisations d'exploitation de carrière permanente au mépris de la loi numéro 18-001 du 9 mars 2018, modifiant et complétant la loi numéro 007-2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Face à cette situation, le président de la République tient à capitaliser la valeur économique potentielle qui existe dans les régions des mines et qui pourrait aisément servir à relancer ou à accroître la production minière de notre pays en vue de rapporter à l'État des recettes substantielles
pour son développement économique et social. Cependant, l'absence continue des droits miniers couvrant l'intégralité des rejets des mines des sociétés du portefeuille aurait tendance à favoriser la fraude en cas d'exploitation clandestine, des cessions d'actifs et ou la non-prise en compte des valeurs, de la valeur des rejets dans les capitales sociales des sociétés communes. Par conséquent, seule une transparence totale en la matière pour revenir à bout du phénomène. Ceci en créant notamment de droits miniers sur le dit rejet, auquel s'ajouterait l'élaboration d'un répertoire complet et actualisé de façon récurrente par le cadastre minier en vue de permettre à l'État congolais d'élargir l'assiette des profits de l'exploitation des substances minérales au rejet. C'est pourquoi il a chargé la ministre des Mines de veiller à la prise en compte de ce potentiel économique qui devra se concrétiser par un suivi transparent et réglementé de l'exploitation de ce rejet, d'instruire le CAMI de contacter les différentes sociétés concernées en vue de créer de droits miniers sur tout le rejet des sites miniers de la République démocratique du Congo. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a axé son intervention sur trois points. Le premier point a porté sur l'accélération du processus d'extension du programme de la couverture santé universelle dans les 26 provinces de la RDC. Il a, en sa qualité de vice-président du comité de pilotage du Conseil national de la couverture santé universelle, présidé une réunion avec le membre du gouvernement concerné ainsi que le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle pour faire le point de l'implémentation de cette réforme. Dans sa phase opérationnelle, qui a débuté avec la gratuité de la maternité, les résultats sont plutôt satisfaisants. Ils ont dégagé, au cours de cette réunion, le principe de la progressivité dans l'extension du programme aux provinces avec une priorité pour les membres de forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. En ce qui concerne la demande d'extension voulue expressément par le président de la République au cours de son intervention à la 127e réunion du Conseil des ministres, la gratuité de la maternité devrait passer de 5 à 12 provinces d'ici le mois d'avril prochain et que le reste de provinces seront concernées d'ici la fin de l'année. En outre, le gouvernement travaille à la mise en place de l'obligation individuelle de l'assurance maladie et des mécanismes innovants de financement de la couverture santé universelle. L'examen du cadre macroéconomique était le deuxième point de la communication du Premier ministre. Il a en effet présidé, comme de coutume, le mercredi 13 mars 2024, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique pour suivre de près l'évolution des principaux agrégats de l'économie nationale dans le but de maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. La situation sur le marché des changes nécessite en effet une politique monétaire restrictive devant contribuer à l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Il s'agit d'appliquer notamment les mesures suivantes. L'obligation de payer les droits, taxes, redevances et factures des entreprises et services publics en francs congolais à partir du 1er avril 2024, y compris l'installation des terminaux dans les supermarchés. Des terminaux en francs congolais. La poursuite du processus de dédollarisation de l'économie nationale. La poursuite de la politique de diversification de l'économie et la finalisation de réformes entreprises par la Banque centrale du Congo en matière de paiement. Dans cet élan, et pour contenir les pressions macroéconomiques actuelles, la poursuite d'une politique budgétaire prudentielle pour préserver la viabilité budgétaire et la qualité des dépenses publiques s'impose. Le gouvernement s'emploie donc à rationaliser ses dépenses en priorisant les dépenses sociales incompressibles afin de préserver le pouvoir d'achat de la population d'une part et d'autre part les dépenses sécuritaires et des souverainetés pour imposer l'autorité de l'État dans la partie orientale du pays. Enfin, le Premier ministre chef du gouvernement a fait la restitution de la réunion qu'il a eue avec les députés du caucus du Haut-Touélé pour échanger sur la situation générale de la province, particulièrement dans les volets infrastructures. Avec l'effondrement de quelques infrastructures, notamment l'effondrement des ponts Kibali et Bomakandi en territoire de Ouattara,
la dégradation avancée de ponts Dungu à Faradje, Kibali à Dungu, Nzoro reliant Ouatz et Faradje et Gada des Niagara et la réhabilitation de ces infrastructures par le gouvernement central. Le ministre des ITPR a été chargé de faire un suivi étroit pour donner une réponse rapide à ces demandes. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a passé en revue l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population est demeuré la semaine dernière globalement calme et marqué par l'accueil favorable suite à la position du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine identifiant les mouvements terroristes M23 groupe armé négatif FDLR ADF MTM et des réactions de l'opinion suite à une série d'arrêts rendus par la Cour constitutionnelle au cours de son audience publique du mardi 12 mars 2024 concernant les recours en contestation des résultats des élections législatives nationales. En rapport avec le plan de désengagement de la MONUSCO, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait la restitution de la réunion tenue le 14 mars 2024 à Kinshasa devant les principaux États contributeurs et d'autres organismes internationaux et en présence des experts du gouvernement de la République. Il a rapporté que la MONUSCO a présenté l'évaluation des actions menées sur terrain lors du lancement du plan de désengagement à la base de Kamanyola et la police nationale congolaise. Face à la nature des contraintes, elle a exprimé aux États contributeurs la nécessité d'avoir un budget additionnel au regard du calendrier qui ne saura pas tenir devant certaines difficultés réelles rencontrées sur terrain. De son côté, le gouvernement a réitéré sa détermination à assumer ses responsabilités dans l'exécution de la feuille de route arrêtée comme accord avec la MONUSCO. Quant aux États contributeurs, ils ont exprimé leur disponibilité à accompagner le gouvernement pourvu que les besoins soient clairement exprimés dans un chronogramme et un programme qui tiennent compte des périodes où ils peuvent être pris en compte par les différents contributeurs. Par ailleurs, la situation aux frontières, la criminalité et les banditismes urbains ont aussi fait l'objet du rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-ministre de la Défense nationale, représentant le vice-premier ministre en mission, a fait état de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la partie ouest de la RDC, principalement aux alentours de Kwamout. Face à la menace persistante qui subsiste dans la partie est de l'est de notre pays, nos forces armées sont engagées dans la contre-offensive et la reprise de l'initiative en vue de restaurer l'autorité de l'État et garantir la sécurité de nos concitoyens. Il a soutenu que des succès significatifs ont été remportés, comme en témoigne la destruction d'un drone de reconnaissance ennemie près de la position de la 32e brigade de réaction rapide ainsi que les pertes importantes infligées à l'ennemi lors de son repli de Kalembe vers Kashuga. Ces actions ont affaibli la menace pesant sur le pont Pinga et le centre de Massissi. À l'ouest, une accalmie relative résultant des actions efficaces de nos forces de défense et de sécurité contre les Mobondo est observée. Sur tous les fronts, les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent résolument engagées dans leur mission de pacification de toutes les poches concernées à travers le territoire national. Processus de finalisation du plan stratégique de développement 2024-2028. La ministre d'État, ministre du Plan, a présenté le rapport sur le processus de finalisation nationale stratégique de développement PNS de 2024-2028. Elle a indiqué que ces documents tiennent à sortir notre pays de son sentier de croissance actuel et à l'ambition de faire d'elle un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure prêtée à l'échéance 2023 en portant les revenus par habitant à au moins 1 136 $ l'année. Tirant les leçons de la mise en œuvre du PNSD 2019-2023, les présents plans en cours de finalisation introduit quelques innovations, notamment un choix clair de la trajectoire des développements qui a été opéré
tout en indiquant les réformes requises pour permettre à notre économie de changer des sentiers de croissance. Des domaines de concentration du plan ont été identifiés pour éviter l'éparpillement des efforts ainsi que les secteurs concernés dans chacun des domaines de manière à garantir la cohérence intersectorielle. La nécessité d'aligner les budgets annuels sur les priorités stratégiques du PNSD a été renforcée et tous les programmes du gouvernement PEDEL 145 territoires, INGA 3, Banana, gratuité de l'enseignement ont été intégrés dans ces plans. Les dispositifs du suivi évaluation du PNSD a été renforcé par la mise en place d'un véritable processus PBBSE. La ministre d'État, ministre du Plan, a souligné que le PNSD 2024-2028 a retenu quelques programmes structurants, notamment dans les secteurs agricoles, mines et hydrocarbures, industriels, sociaux, infrastructures sécuritaires et rurales. Enfin, concernant les étapes finales de la finalisation du document du PNSD 2024-2028, des consultations seront organisées dès la semaine prochaine avec des parties prenantes clés dont les partenaires techniques et financiers et les ministères impliqués dans les processus de diversification de l'économie nationale. Ces consultations permettront notamment de garantir l'appropriation des priorités nationales planifiées dans le nouveau PNSDE. Après cette phase de consultation, il sera organisé des ateliers et des validations qui connaîtront la participation de toutes les parties prenantes qui permettra de boucler ces processus au plus tard le 30 mars 2024. Et pour terminer, elle a proposé que le PNSD 2024-2028 soit introduit au Parlement au moment du débat sur l'orientation budgétaire après son adoption par le gouvernement qui pourra se faire au plus tard avril 2024. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État d'avancement du processus des réhabilitations des infrastructures et de l'équipement de la SNCCSA et des LONATRA sur fonds de la redevance logistique terrestre. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a présenté aux membres du Conseil les avancées enregistrées dans les secteurs de transport ferroviaire et par voie d'eau au cours de l'année 2023 et en ses débuts 2024, grâce à la redevance logistique terrestre RLT, au bénéfice de ces deux sociétés précitées avant de brosser des perspectives pour le prochain mois. En ce qui concerne l'ONATRA, les ressources de la RLT lui ont permis d'accélérer les travaux d'aménagement des quais et terminaux tout en renforçant son équipement dans le cadre du projet de port de Matadi pour faciliter une meilleure circulation de personnes et des biens dans cet espace, tout en ayant des aires dégagées pour décharger les marchandises importées. Il est prévu la démolition et les bétonnages des espaces magasins, ainsi que la construction d'une route de contournement et d'un bâtiment administratif hébergeant tous les services commis au port. En outre, il y a la réalisation de travaux des réhabilitations du tronçon de la voie ferrée Kasangulu-Kimwenza après la destruction des ouvrages d'art du fait de pluie diluvienne de septembre-octobre 2023. Ils ont ainsi permis à nouveau la reconnexion de la voie. Les premiers trains expérimentaux composés de 12 wagons, dont 2 chargés d'herbicides et d'équipements de santé, avaient quitté Kinshasa le 19 février 2024 à destination de Matadi. En ce qui concerne la SNCC, les fonds issus de la RLT ont été essentiellement affectés en 2023 pour l'achat notamment des 22 voitures à voyageurs neuves, 20 locomotives dont 16 diesels électriques et 4 diesels hydrauliques, l'acquisition d'outils pour la maintenance des locomotives, l'achat de 1548 tonnes de rails, 29 630 traverses et éléments divers de fixation. À ces jours, d'autres projets sont en phase d'exécution, tels que l'acquisition de 90 km de matériel pour la jonction Likasi-Fungurume, l'achat des 5 locomotives diesel électriques de ligne, l'acquisition de 30 000 traverses métalliques neuves et éléments divers de fixation. En termes de perspective, plusieurs actions sont alignées pour 2024. Elles ciblent par ailleurs des infrastructures ferroviaires et des acquisitions techniques. Par ailleurs, le Conseil a été informé de la reconduction de l'arrêté interministériel instituant la perception de la RLT pour une période de 2 ans à dater de mai 2024. Avant de conclure son intervention,
Le ministre de Transport est revenu sur la situation qui prévaut actuellement au sein de la société Transco, spécifiquement en ce qui concerne l'approvisionnement en carburant par la société Cobil SA. Le président de la République, sensible à ces sujets, a chargé la vice-ministre des Finances à travailler étroitement avec le ministre de Transport en vue de trouver une solution rapide et n'est pas handicapé les activités de cette entreprise cruciale pour la circulation dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Trois notes d'information du secteur de l'industrie. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil trois notes d'information relevant de son secteur. La première a concerné la présentation sommaire de l'étude sur les positionnements de notre pays dans la chaîne de valeur mondiale des batteries, des énergies renouvelables et des voitures électriques. Cette étude, menée par les cabinets Bicotim, aborde plusieurs conditions socio-économiques susceptibles de booster l'industrie congolaise de la batterie. Elle démontre que le développement de la chaîne de valeur de la batterie, des énergies renouvelables et des véhicules électriques est une opportunité d'industrialiser les pays en prenant la ville de Kamina comme point de départ au regard de ses atouts géographiques, des infrastructures existantes, de sa position centripète par rapport aux différentes sources d'approvisionnement des métaux qui rentrent dans la composition de la batterie électrique, de sa proximité avec deux potentielles centrales hydroélectriques et sa traversée par la route nationale numéro 1. Cette étude débouche principalement à ce qui sera appelé Programme national de développement de la chaîne des valeurs de métaux de la transition énergétique, dont le Conseil congolais de la batterie aura le lead, sous l'autorité des ministères sectoriels impliqués notamment les mines, les ressources hydrauliques et électricité, les infrastructures, les finances, l'industrie, l'environnement, etc. Il a sollicité du Conseil la convocation d'un cadre d'échange, format atelier d'immersion pour que chacun des secteurs s'imprègne de cette vision qui découle des six piliers du programme de gouvernance du président de la République pour ce nouveau quinquennat. La deuxième note a porté sur la nécessité d'un audit technique à court terme pour mieux préparer la reprise de la production locale dans le cadre de la relance de la cimenterie nationale CINAT. Les préalables de cette opération ont été examinés à cette occasion. La troisième et dernière note d'information s'est penchée sur le projet de la cimenterie de Maïko et la protection de l'industrie locale des carreaux et des faïences. Au sujet de la cimenterie de Maïko, le ministre de l'Industrie a sollicité du gouvernement l'autorisation de prendre un arrêté pour le suivi de l'exécution de ce projet par un comité technique à mettre en place, car il a été décidé qu'une zone économique spéciale soit implantée dans l'espace industriel de Maïko qui comprendra définitivement la cimenterie, la centrale hydroélectrique de 20 MW et la zone économique spéciale. Sur un autre volet, il a soutenu l'arrêté pris par son collègue du commerce extérieur dans les buts de protéger l'industrie locale et ainsi freiner les phénomènes de dumping organisés à partir de la frontière de Loufou et qui perturbent fortement les marchés des carreaux et des faïences, principalement dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, en rapport avec l'usine que le président de la République a inaugurée dans la zone économique spéciale de Maloukou. L'appui du gouvernement a donc été sollicité pour la protection de cette industrie et particulièrement l'implication du ministre des Finances et ses services opérant aux frontières au Congo central d'initier des mesures coercitives pour stopper ces phénomènes. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du secteur de la formation professionnelle. La ministre de la Formation professionnelle et métiers a présenté deux notes relatives au niveau d'avancement de travaux sur les développements du cadre national de qualification et des certifications en République démocratique du Congo et sur la stratégie sectorielle de la formation professionnelle et d'apprentissage des métiers. Abordant la première note, elle a évoqué les décrets numéro 23/120 du 23 novembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité congolaise des régulations des certifications et qualifications professionnelles, qui a dans ses attributions la mise en œuvre du cadre national de qualification et des certifications. En attendant la matérialisation de la structure ainsi créée, son ministère, en collaboration
avec la Fondation européenne pour la formation dans son projet African Continental Qualification Framework et la participation intéressée de la Fédération d'entreprises du Congo a organisé un séminaire du 5 au 6 mars 2024 à Kinshasa sur les thèmes « Développer le cadre national de qualification et des certifications en République démocratique du Congo ». À ces jours, tous les experts ayant pris part à ces séminaires sont outillés pour contribuer efficacement à l'élaboration et à la mise en œuvre du cadre national de qualification et certification en respectant toutes les différentes étapes contenues dans la feuille de route. Dans sa deuxième note, la ministre de la Formation professionnelle et métiers a indiqué que la stratégie sectorielle nationale propose une approche interministérielle placée sous la direction de son ministère, conformément aux attributions dévolues à chaque ministère du gouvernement dans l'ordonnance présidentielle numéro 22/003. L'objectif principal de cette stratégie est de dynamiser un secteur qui doit être renforcé par l'élargissement de l'offre de formation dans les secteurs publics, tout en valorisant les initiatives actuellement morcelées du secteur privé et informel. Elle est fondée sur 5 axes stratégiques, à savoir assurer l'accès et l'équité dans la formation professionnelle, promouvoir les parcours efficaces d'apprentissage et des compétences tout au long de la vie, améliorer la qualité et la pertinence de la formation et la certification professionnelle, améliorer l'employabilité, ainsi qu'améliorer la gouvernance sectorielle. L'impact de cette stratégie devra être déterminé par l'efficacité de sa mise en œuvre et par la synergie entre tous ces axes. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Lancement de la campagne sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Les ministres de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté, Cohésion nationale, a informé le Conseil du lancement imminent de la campagne sur l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il a indiqué qu'elle sera une mutualisation d'efforts avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et de la communication et médias pour sensibiliser, former et éduquer les citoyens en vue d'avoir des Congolais qui n'auront pas que la nationalité congolaise comme patrimoine, mais aussi une culture de valeurs digne des citoyens pour le développement intégral de notre pays. Plusieurs activités seront réalisées, notamment la distribution de manuels dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les associations, la diffusion des spots en rapport avec l'initiation à la nouvelle citoyenneté et la sensibilisation à travers les médias. Les manuels dont question sont constitués notamment des modules d'information, d'un guide d'initiation à la nouvelle citoyenneté, des spots éducatifs et d'un manuel illustré traduit en 4 langues. Avec vous, jeunes citoyens, pour un Congo uni destiné aux plus jeunes. En termes d'objectifs poursuivis, il sera question de sensibiliser les Congolais sur la nécessité d'une prise de conscience globale sur le besoin du changement de mentalité, de rappeler les bonnes manières aux citoyens et de renforcer les civismes auprès de la population. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Et pour finir sur ces chapitres de points d'information, stabilisation de prix de produits de base dans les zones touchées par l'insécurité. Au regard de la persistance de conflits dans l'est du pays qui entravent l'approvisionnement en produits de base dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, Le ministre de la Décentralisation, faisant l'intérim du ministre de l'Économie nationale, a évoqué les effets néfastes de conflits qui précarisent davantage les populations affectées par l'insécurité. Il a encouragé le gouvernement à formuler une réponse économique en appui aux efforts diplomatiques et militaires déjà déployés en vue de soulager les difficultés que rencontre la population de cette partie du pays. Le Conseil a été informé des contours généraux de l'intervention économique du gouvernement pour stabiliser les prix dans les zones sous conflits armés et sécuriser leur approvisionnement en denrées de base. Dans cette perspective, il a été lancé les travaux techniques conjointement avec le ministère des Finances pour définir les modalités d'une intervention en faveur de l'approvisionnement et la stabilisation de prix dans l'est du pays. Un dossier détaillé sera présenté au Conseil des ministres au terme de travaux de cette commission. Le Conseil a aussi pris acte de cette note d'information. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour,
relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 128e réunion du Conseil ordinaire de ministres est tenue le 8 mars 2024. Commencée à 13h33, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h35. Je vous remercie.